Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes sur Canal Plus, il est 20h10 pétante. Sa plastique est irréprochable, mais ses questions sont loin d'être en toc. Merci d'accueillir Muriel Cousin. La petite fée de Forbach voulait jouer cabaret et entrer dans la lumière. Depuis que Mademoiselle chante le blues, elle est devenue la blonde ambassadrice de la chanson française, sexy et glamour comme Marlène, volontaire comme Piaf. And now, ladies and gentlemen, merci d'accueillir une représentante du sexe fort à la voix rauque et suave, Patricia Cass. Patricia Cass, enfin. Enfin? Bah oui, on vous voit enfin. C'est vrai, alors quand on dit sexy, c'est plus sexy, là, c'est torride. Ah non, vous êtes sublime. Vous, non mais elle est sublime, vous trouvez pas qu'elle est sublime? Franchement, regarde, avec les boîtes, là, et tout, là. On n'est pas obligé de regarder vue de dos. Alors, ah oui, non mais, alors, on est sexy, on est passé. Vous êtes sexy. Merci. Alors, vous, c'est vrai qu'on parle de... On compare toujours à Marlène, on compare toujours à Piaf. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis tout gosse, vous étiez fan de Claude François. Il est dit dans votre biographie qu'à 6 ans, vous connaissiez la chorégraphie, les chansons de Claude François. Vous pouviez même... Les chansons, oui. Ouais. Et vous pouviez... Moins les Claudettes. Moins les Claudettes. Moins les Claudettes, ah, ouais. Vous étiez beaucoup plus Clo-Clo, vous, que Claudette. Le texte. Bah, le texte, parce que, oui. Bah, oui, parce que moi, c'était la musique, c'était le chant, plus que le... En fait, justement, le plus loin où vos souvenirs vous portent, vous avez toujours eu ça en vous, chanter. Au début, c'était un jeu, forcément, à 8 ans, on aime la musique, j'apprenais assez facilement les mélodies. Et après, c'est aussi une façon de s'exprimer. Après, ça devient un partage. Moi, après, j'ai aimé le contact avec les gens, le contact avec le public. Mais pour moi, mon enfance, c'est effectivement la musique aussi. C'est la musique, aussi. Oui. Et ouais. Donc, dès 6 ans, va... Ah bah. Bonsoir. Non, mais quand vous recevez comme ça une grande artiste du répertoire français, mais prévenez-moi. Mais vous n'étiez pas au courant? Mais non, mais j'étais là tout seul dans ma chemise en satin, mais personne ne me dit rien. Il a même oublié d'enlever sa chemise de nuit. Oui, oh, vous savez, de temps à autre, je pense à mon modèle Mike Brandt et j'essaie de lui rendre honneur comme je peux. Oh. Bonsoir. Alors, bonsoir. Voilà. Vous connaissez Ariel Wiesman, voilà, il adore ce que vous faites et il faut dire qu'il n'est pas le seul. C'est vrai qu'il y a votre album qui est sorti en décembre dernier, Sexe fort, et vous dites que je me considère comme un sexe fort parce que je suis une femme indépendante et que j'assume tout. Oui, c'était parce qu'on m'avait posé la question de pourquoi le titre Sexe fort de l'album. Mmh. Donc effectivement, je cherchais un titre qui, pour moi, allait bien avec le contenu de cet album qui est une certaine émotion, mais je pense qu'il y a aussi une certaine force. Ah, il y a vraiment de la force. On sent que vous n'êtes pas une femme qui... Et donc, du coup, je cherchais un titre et puis intense, je sais pas, tout ça. Je trouvais que c'était pas assez original, donc je suis tombée sur Sexe fort, qui normalement donc est masculin. Mmh. Et donc, en y mettant le petit symbole de la femme, je trouvais que c'est un symbole qui m'allait bien parce que je suis plutôt indépendante, je prends des décisions, tout ça, et c'est pour ça que c'est Sexe fort. Dans cet album, vous avez tombé des vrais hommes qui ont du talent, là, pour le coup. Tel que l'abbé Caillou, par exemple. Non, il y a Renaud, ça c'est l'abbé Pierre. C'est la deuxième chanson. J'ai vu, oui, mais c'est très beau. C'est une allusion à l'abbé Pierre. Il y a Renaud, Cabrel, Escher, Rodagil, Goldman et Obispo. On ne peut pas dire que ce soit des mecs qui aient fait de la gnognotte, quand même. Oui, non, mais c'est le hasard. Moi, je dois dire que, bien sûr, j'avais envie de travailler avec des gens comme Goldman ou Obispo parce que je les connais, j'avais déjà travaillé avec eux. Ensuite, j'avais des envies comme Cabrel. Bon, ça faisait plus de 5 ans que je lui demandais. Et pour une chanson, bien sûr. Hein. On l'avait compris comme ça. Oui, non, mais bon, on ne sait jamais. Et puis après, il y a eu des hasards, comme Renaud. Moi, j'étais complètement surprise parce que c'est un peu venu de son côté. Et voilà, donc c'est un album un peu surprise pour moi aussi. Alors, pardon de vous interrompre, puisque Jean-Denis Hubert est en ville avec vos fans.
Oui, bonjour Jean-Denis Hubert pour ce nouveau numéro de Ta star à toi, chez toi, avec Patricia Cass. Alors Laurence, si je suis ici ce soir, c'est pour une raison très particulière, vous vous en doutez. C'est parce que quelqu'un nous a écrit pour nous dire que vous aviez une star fétiche. Chanteuse française, je vais peut-être vous aider. Aidez-moi. Patricia Cass. Oui, voilà. Vous, oui. Vous connaissez toutes ces chansons par cœur. Oui, oui, oui. Ah, c'est ce que votre mari oui, vous a oui, dit. Oui, 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 oui. Vous l'avez jamais rencontré? Non, jamais. Eh bien, ce sera tout de suite après la pub. Le seul truc, c'est qu'on a un petit problème. Elle était là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas du tout... Oui, mais elle est partie, en fait, voilà. Je rêve. Non, je vais juste faire un ou deux plans. Oui, si vous pouvez juste jouer l'émotion. L'émotion, ça va être dur. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est grave. Voilà. Ok, oui. Tenez-vous à la rambarde. C'est excellent. Je peux me toucher. Où sont les âmes? Oh, bah, c'est pas possible. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Vous tombez. Voilà, voilà. Attendez, ça recommence. On recommence. Où sont les âmes? Où sont les... C'est pas mal. C'est pas mal, mais si vous pouvez vous évanouir instantanément, ça serait... Voilà. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Oui, je franchement, veux, là, ça va être très très dur. Voilà, hein, je vais vous dédicacer mon dernier album. Avec plaisir. Ah. On ne peut pas me faire plus plaisir que ça. Ah, c'est bon, formidable. Voilà, je vous embrasse. Voilà. Allez-y, pleurez, pleurez. Vous vous écroulez par terre. Voilà, très bien. Ça, c'est très bien. Je pense qu'on a... On fait signe en régie qu'on a tout ce qu'il faut. C'est très bien. Alors, on peut remercier Patricia Cass. Ça vous a fait quelque chose de la voir, comme ça elle vient de s'en aller dans le lointain. C'est grandiose. Elle est repartie comme elle est venue. Mm-hmm. Hein? Ah, j'en reviens pas. Je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà. Et sur ce, je rends l'antenne à vous les studios. Vous avez vu l'effet que vous faites à vos femmes, quand même. Mais surtout, je crois que je vais changer ma version. Je vais chanter « Où sont les femmes hein, ?» Parce que là, avec la réaction... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est incroyable, vous êtes facile à imiter de cheveux, de dos. Mais vous êtes imité dans les cabarets. Profil, hein, oui. c'est... Mais dans les cabarets, je crois qu'on vous imite. Hein. Ah oui, c'est vrai que oui, les travestis aiment beaucoup les travestis faire Patricia adorent faire Patricia Cass. C'est pas du tout qu'on en connaisse. Mais c'est bien, c'est un... Non, non. Nous, non. Nous, c'est pas nos copines du tout. Capucine, vous avez changé en 16 ans quand même, Patricia, parce qu'en 88, dans Mon mec à moi, vous chantiez « Je crois tout ce qu'il me dit ». Et alors là, aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont les clés de leur bonheur. C'est tout de suite déjà plus... Bah, elle a vécu entre-temps, la fille, quand même, un peu. Ouais. On est elle là, fait partie, vous avez vécu. Fait partie des Spice Girls. Où sont les hommes? Moi, je me demande si votre problème, finalement, c'est que vous n'êtes pas plutôt, au contraire, paradoxalement, entouré de trop d'hommes. Parce que vous avez effectivement un côté, vous êtes une guerrière, une chef de bande, et d'ailleurs, je crois qu'on vous surnomme la patronne. Et vous avez En Russie, oui. En Russie, non, chérie. Mais non, c'est N'engueulez mon équipe. Pas le patron, la patronne s'en charge. C'est mon équipe, mais ça, c'est plutôt tendre. C'est patronne, c'est tendre, c'est oui. Pas la patronne. Bah, non. Mais vous leur faites pas peur, quand même. Quoi, aux parce hommes. Que, ouais, à un moment, parce vous avez raconté que Julio Iglesias, même, lui qui tripote tout, et il vous a même pas tripoté. Dis donc, vous êtes allé chercher vraiment dans les. Enfin, c'est pas que j'avais une envie de tripotage de Julio, mais. Ça vous a frappé non, en vous, a frappé vous que... ne connaissez non, rien, la que... Julio Touch, c'est pas du tout. Julio ne tripote pas, Julio, il est fleur, il est comme ça, Julio, il est. Non, mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, on posait la question, donc je crois que la femme indépendante, c'est un peu. Peur à l'homme et c'était dans un je sais pas on parlait parce que là de prendre comme ça une question ça fait bizarre mais à l'époque effectivement moi ça m'étonnait parce qu'il est plutôt du genre à embrasser les femmes les serrer dans les bras et tout et moi alors ou alors j'étais pas son goût mais bon enfin bon ça m'a pas mais ça m'avait étonné c'est vrai que est-ce qu'on se retrouve pas dans cette forme de quadrature du cercle qui est toujours la même chose trouver un homme qui nous aime fragile mais aussi dans notre liberté d'être et dans notre indépendance quoi. C'est toujours encore une fois, hein, où sont les hommes est plus général que ça. Hein. C'est l'être mais, humain. Voilà, aussi. Mais bon, moi je cherche. Je pense qu'on vit dans un monde où la vérité est pas très présente. C'est-à-dire qu'on essaye d'être
on essaye d'être quelqu'un parce que c'est à la mode d'être comme ça, ou, et je trouve les hommes manquent un peu de vérité. Mmh. Alors encore une fois, je ne veux pas être générale, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer. Mmh. Et moi j'aime le côté fort de l'homme, mais j'aime aussi son côté sensible. Moi, un homme qui, je sais pas, qui est ému par, par un film, où, moi je trouve ça touchant. Mmh. Faut pas qu'un homme ait pleur d'avoir, je sais pas, de pleurer ou d'être ému par quelque chose. C'est ça qui est touchant. Et c'est ça, pour moi, la vérité. Et je trouve que ça manque un peu, en général, dans ce monde. Voilà. Ouais.